BPRD, viva! BPRD, viva! BPRD, viva! 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 L'exécutif provincial du PPRD Kinshasa, par ma modeste personne, est heureux de vous accueillir à cette cérémonie d'échange de vœux organisée par les secrétaires permanents sous les leaderships du président national et donc des chefs partis, le PPRD. Pour clore mon propos, au nom du secrétariat exécutif provincial de Kinshasa et à mon nom propre, je réitère notre soutien inconditionnel au président national et aux camarades secrétaires permanents de notre cher parti. J'ai saisi également cette occasion pour leur présenter nos voeux de succès et de réussite dans leurs charges respectives. Qu'ils soient rassurés de notre ferme engagement à œuvrer à leur côté pour que le PPRD conserve sa place de leader sur la scène politique congolaise. À vous tous, cadres et militants, je souhaite une bonne et excellente année 2020 afin de participer à leur matérialisation. Je vous remercie. Camarade secrétaire permanent du parti, à mon nom et au nom de l'exécutif provincial de votre cher parti, je vous remets, ce n'est pas pour vous, donc c'est un cadeau qui est dédié à l'initiateur du parti, le président national du PPRD, et grand camarade Joseph Kabila Kabangi. C'est un petit cadeau qui veut tout dire. C'est un cadeau qui symbolise le pouvoir. Comme il est mentionné ici, il n'y a que le pouvoir qui est mentionné. Voilà. Secrétaire provincial de la ville de Kinshasa, camarades militants et militants du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, distingués invités, mesdames et messieurs, et Seigneur Dieu, maître des temps et des circonstances, qui nous a permis de connaître une année 2019 absolument heureuse, nous a également accordé sa grâce divine d'entrer dans cette nouvelle année qui vient de commencer. Nous lui devons, en ce moment précis, notre profonde reconnaissance, car c'est à lui seul la toute-puissance et à lui seul la gloire infinie. Très chers camarades, au seuil de cette année nouvelle, l'an 2020, l'occasion nous est donnée de nous rencontrer autour de cette cérémonie d'échange des vœux. La cérémonie de ce jour, nous séparant de deux mois à peine de la tenue de la première matinée poétique de Lubumbashi, m'oblige d'être relativement bref, bien des choses ayant déjà été dites lors de ces assises. J'étais très touché ici par les propos aimables, chaleureux et pleins de confiance que le secrétaire exécutif provincial de Kinshasa
le camarade gouverneur Gentili Ngobila-Mbaka vient d'adresser au président national Joseph Kabila Kabange et à moi-même, en votre nom à tous. Je voudrais à mon tour vous dire au nom du camarade Joseph Kabila Kabange, président national du PPD, et à mon nom personnel, combien je souhaite pour chaque cadre et militant du PPD santé, bonheur, prospérité et heureuse année 2020. Très chers camarades, nous sommes particulièrement heureux et fiers de vous rappeler en ce jour et à cette occasion que sous la houlette de notre président national, le camarade Joseph Kabila Kabange, nous avons engagé de nombreux et précieux succès politiques durant l'année 2019 qui vient de s'achever. À l'aube de cette année 2020, le PPRD, notre parti, prend véritablement un départ. Après les fortes émotions que nous avions connues en janvier 2019, dans l'attente angoissée de la publication des résultats des scrutins du 30 novembre 2018, avec courage et détermination, nous nous étions vite ressaisis et avions adopté la posture qui s'imposait à tout patriote avisé, à savoir mettre les saluts de la nation au-dessus de toute ambition personnelle. Au vu des résultats des scrutins législatifs et provinciaux, il s'avérait que nous disposions d'une représentation confortable dans les assemblées et qu'il nous fallait choisir entre les vicissitudes de la confrontation à travers un régime de cohabitation ou l'harmonie à travers la cohésion, à travers un système de coalition. Tirant parti de la première passation pacifique et civilisée du pouvoir au sommet de l'État dans notre pays, nous avons parié sur la concorde et le patriotisme de la nouvelle génération politique constituée substantiellement d'acteurs nés peu avant et après l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Fort de notre credo, nous avons cheminé en évitant les embûches qui jonchaient notre parcours. En 2019, l'Assemblée nationale a été installée. En 2019, toujours, les assemblées provinciales ont été installées aussi. De même, en 2019, les sénateurs ont été élus, les gouverneurs des provinces également. Bien plus, toujours en 2019, le gouvernement central a été investi et les prophètes des malheurs qui prédisaient l'apocalypse pour notre pays et les chasseurs des primes et collations qui nous tendaient des pièges sont aujourd'hui confondus par la persistance des relations fraternelles entre les dirigeants congolais. C'est pour nous l'occasion ici de saluer la sagesse et l'humilité tant du président sortant, le raïs Joseph Kabila Kabange, que celui entrant Félix Tshilombo Tshisekedi. Ils sont tous deux ici du moule, d'une tradition moulée dans le nationalisme et le patriotisme, et dont le maître mot est de ne jamais trahir le Congo. Très chers camarades, pour marquer l'implication positive dans la mise en place des institutions et la sauvegarde des équilibres politiques entre les forces coalisées, le PPRD, en tant que parti porte-étendard de la majorité parlementaire et de la coalition, a pris la mesure des responsabilités qui lui incombent, notamment à travers l'accompagnement législatif au Parlement, le leadership féminin de la présidente de l'Assemblée nationale et la technicité du rapporteur du Sénat,
le pilotage de l'action gouvernementale sous la conduite du Premier ministre, l'action de stabilisation des assemblées provinciales et des gouvernements provinciaux. Pour autant que la Constitution de la République stipule que le gouvernement conduit la politique de la nation, notre responsabilité est donc très grande et nous n'entendons pas y dérober. En concertation avec le président de la République, il revient donc à la majorité parlementaire de définir cette politique, n'en déplaise aux esprits chagrins qui ne cessent de déclarer que le gouvernement devrait, on ne sait pas trop comment, abandonner aux instances extérieures la définition de ses priorités et la détermination de son programme. D'ailleurs, faut-il rappeler ici le programme du gouvernement Ilunga-Ilunkamba-Sylvestre a été élaboré en parfaite concertation avec le président de la République par l'ensemble des forces politiques coalisées. Le PPD entend toujours soutenir et accompagner ces programmes et il apportera son concours actif aux différentes réformes nécessitées par sa mise en œuvre. Ainsi, le PPD n'attend point fléchir sur l'impératif du respect du nouveau code minier, garant de la création des ressources projetées à travers la loi des finances 2020. Notre parti national, le PPD, implanté à travers tous les territoires nationaux, ne cautionnera jamais, et alors jamais, les actions malveillantes et déstabilisatrices menées par des ennemis de notre indépendance économique qui aujourd'hui essaient de tirer à boulet rouge sur les dirigeants de la G-Cabine. Très chers camarades, la République démocratique du Congo, notre pays, franchit chaque année une étape nouvelle de son histoire politique. Nous avons placé au PPRD l'année 2019 sous le signe des grands événements politiques et nous l'avons justement appelé une grande année politique. Tout au long de cette année qui vient de s'écouler, nous avons démontré que nous, Congolais en général, et membres du PPD en particulier, nous étions capables de nous organiser et de mobiliser toute notre sagesse, intelligence et énergie, ainsi que toutes nos ressources au regard des objectifs politiques et sociaux que nous nous sommes assignés. Nous sommes donc tous fiers de constater que nous avons réussi notre pari, à savoir la paix et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Sur le même chapitre, le PPD tient à rappeler que le financement de l'éducation fondamentale ne répond pas au même principe que celui de l'éducation secondaire et de l'éducation tertiaire ou universitaire. L'accroissement progressif du budget de l'État permettra à coup sûr d'intervenir de manière significative dans la rémunération des professeurs de tous les niveaux, dans l'acquisition des infrastructures et équipements scolaires et académiques, dans l'appui de la recherche scientifique, technologique et dans la professionnalisation. Les accords passés entre les différents partenaires éducatifs autour des contributions à l'éducation devraient donc être respectés. C'est pourquoi le PPD salue les accords de partenariat signés à l'Université de Kinshasa et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur et universitaire et encourage tous les partenaires intéressés d'y veiller ardemment. Le PPD condamne avec la dernière énergie tous les actes de barbares, de violence et tous les dégâts matériels enregistrés ces derniers jours sur le site de l'Université de Kinshasa. Notre parti recommande vivement au gouvernement de prendre dans les meilleurs délais toutes les dispositions nécessaires pour la prise en compte des revendications des différentes parties en présence, plus particulièrement celles des étudiants, et en appelle ainsi à l'apaisement total et à la reprise des activités scientifiques et académiques à l'Université de Kinshasa.
S'agissant des questions de sécurité, le PPD soutient et encourage les actions menées par nos forces armées, les FARDC, la police nationale congolaise et les services d'intelligence pour maintenir la paix, particulièrement à Beni et dans tout l'est du pays. Le PPD se réjouit de constater qu'enfin, des nouvelles voix s'élèvent courageusement pour nous rejoindre et rejoindre donc le président Kabila dans nos vieilles déclarations sur les menaces de déstabilisation et de démembrement outils contre notre pays. Nous n'avons jamais été devant en guerre, mais c'est quiconque nous déclare la guerre, notre peuple suivra en cela le mot d'ordre qui nous a été légué par Mzé Laurent Désiré Kabila, les soldats du peuple qui nous invitaient à nous mobiliser pour ramener la guerre là où elle devrait venir. Ainsi, le PPD dénonce avec force ces politiciens de tous bords à mal de positionnement qui font la souffrance et tuerie de nos frères et sœurs de Beni un fonds de commerce. Nous devons donc nous mobiliser tous comme un seul homme pour que prenne fin définitivement cette guerre asymétrique qui n'est qu'un terrorisme bien planifié de l'extérieur et soutenu malheureusement par des Congolais à la recherche des postes sans en maîtriser les tenants et les aboutissants. Pour parvenir au chapitre des réformes, le PPD accompagnera les gouvernements dans la mise en œuvre des réformes dont nous avons besoin pour rationaliser notre système politique, maximiser les recettes et créer les richesses, moraliser la vie publique, renforcer la cohésion nationale, crédibiliser notre système de défense et de sécurité. Dans cette perspective, les réformes déjà engagées au sein des FARDC et de la PNC devront être poursuivies car il s'agit d'un travail de longue haleine qui a déjà commencé par le président Kabila et qui a commencé à produire des résultats rassurants qui méritent d'être consolidés. Quant aux réformes touchant la Constitution, il n'est un secret pour personne que notre loi fondamentale, adoptée en 2006, contient de nombreuses dispositions que les spécialistes appellent, qualifient des dispositions handicapantes, car elles ont été dictées par des élans de rancœur vis-à-vis de notre pays et des règlements de comptes inexplicables. Nous n'en sommes plus là aujourd'hui, quoiqu'il y ait encore des survivances résiduelles qui ne devraient guère nous affoler. Sans ouvrir prématurément le débat sur les dispositions à modifier, parce qu'on le fera, nous pouvons nous limiter à évoquer par exemple ce jour la problématique de l'élection des gouverneurs des provinces par les assemblées provinciales et leur contrôle parlementaire. On peut également évoquer par exemple la rationalité économique de l'élection des députés provinciaux au suffrage universel direct, mais également on peut évoquer le coût financier des élections et de la mise en place des institutions locales, municipales et urbaines. Par ailleurs, nous pensons que l'heure est venue de procéder au renouvellement des animateurs d'institutions d'appui à la démocratie, notamment ceux de la CENI, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la CNDH. Il en est de même de certains membres de la Cour constitutionnelle. Le PPD, parti avant-gardiste, va s'investir positivement dans ce processus et aura des membres à tous les niveaux. Il y a eu certes des faits à déplorer, mais nous constatons cependant que le pays tient toujours debout et que nous progressons lentement mais sûrement. Mesdames et messieurs, distingués camarades, ce n'est donc plus le moment de venir proposer des idées rétrogrades sur des soi-disant forums ou consultations qui viendraient remettre en cause la légitimité des institutions en place. Le PPD s'opposera
donc à toute tentative de reddition des conciliabules avec des acteurs qui avaient refusé de rejoindre la logique du CENSA. Et nous tenons par exemple à ce que les futurs animateurs de la CENI soient des personnalités dotées d'une expérience avérée dans la gestion des structures politiques et électorales. Concernant la justice, les propositions de notre parti sont on ne peut plus claires. Il s'agit, ceci, les conditions de travail des magistrats et de tout le personnel judiciaire devraient être celles qui leur permettraient de se mettre à l'abri des sollicitations de tous ordres afin d'assurer une distribution équitable de la justice à travers le territoire national. De même, le PPD formule le vœu que le gouvernement de la République améliore sensiblement les conditions carcérales des personnes privées de liberté pour violation de la loi et mène une lutte acharnée contre la corruption et l'impunité. Chers camarades, à ce sujet, il est exigé, comme nous le savons, par notre Constitution, qu'à l'entrée en service, comme à la fin de ses fonctions, chaque agent de l'État assumant des hautes responsabilités fasse la déclaration de ses avoirs. C'est constitutionnel. Cette disposition est censée contribuer à la transparence, à la culture de reddition des comptes et à l'accroissement de la moralité publique dans l'exercice des fonctions publiques. Cette disposition devrait être étendue à tous les mandataires publics, mais elle n'a pas de sens et d'efficacité que si effectivement un suivi est fait à travers un organe parlementaire ou indépendant et qui examine les dossiers des avoirs de chaque dirigeant politique ou mandataire concerné. À ce sujet, afin de lutter contre la corruption, la concussion et de garantir la transparence, le PPD, parti avant-gardiste, tourné vers les valeurs républicaines, le PPD, disais-je, va bientôt initier un projet ou une proposition de loi portant création d'un organe de vérification des sources et des biens acquis par les mandataires publics, politiques et gestionnaires. Une personne, je disais que le PPD, parti avant-gardiste, tourné vers les valeurs républicaines, va bientôt initier un projet ou une proposition de loi portant création d'un organe de vérification des sources de biens acquis par les mandataires publics, politiques et gestionnaires. Une personne dont le dossier est en ordre, c'est-à-dire ayant valablement justifié les sources et les moyens de ses acquisitions, cette personne recevra du service compétent un certificat de conformité aux normes et procédures d'acquisition des biens. Par contre, toute personne qui n'arrive pas à justifier un enrichissement au-delà du raisonnable recevra un carton rouge. Par contre, toute personne qui n'arrive pas à justifier un enrichissement au-delà du raisonnable recevra un carton rouge et verra son dossier de biens estampillé du sceau de non-conformité. Ce dernier est alors acheminé manu militari devant les organes judiciaires compétents pour enquête, poursuite et sanction, et ces biens mal acquis seront saisis par les pouvoirs publics. C'est un professeur qui me disait ça. À tous les niveaux, nous devons rompre avec certaines mauvaises habitudes acquises, appliquer une rigueur et une discipline totale dans la gestion de notre parti et dans la gestion des affaires de l'État par ceux qui nous représentent. Très chers camarades, certes, le succès n'a pas été total durant l'année 2019.
comme tout être humain, c'est normal. Néanmoins, nous avons pu constater, au pays de tous nos camarades et à travers toutes nos rencontres de masse, que notre enthousiasme à nous tous est demeuré à tout à fait intact. Cette attitude de confiance à notre capacité de résilience nous honore. Cet engagement à demeurer fidèle au parti nous rend plus forts et forts encore. Cet enthousiasme politique nous autorise à nous montrer fiers d'être membres d'un parti politique grand et fort, digne et solide. Oui, en dépit des difficultés parfois rencontrées, notre confiance à notre parti, à notre autorité morale et à nous-mêmes est demeurée la même. J'ai pu constater notre pleine détermination à rebondir, à garder notre cap et à travailler davantage avec acharnement pour un futur de victoire complète. Camarades membres du bureau politique, camarades membres du Conseil national, camarades secrétaires exécutifs provinciaux de la ville de Kinshasa, camarades militants et militants, distingués invités, quel que soit le passé glorieux ou mitigé, harmonieux ou sombre, la grandeur d'une formation politique solide réside, comme il en est de toute grande personnalité, dans le fait de garder les yeux et l'esprit fixés vers le futur, en visant toujours de toujours mieux faire. Pour l'année 2020, qui vient de s'ouvrir, la réussite totale dans tous nos projets et à tous les niveaux est notre objectif unique. Pour cela, à notre président national, le camarade Joseph Kabila Kabange, et à sa famille, j'exprime en votre nom nos ardents vœux d'une année très agréable. À lui et à chacun de vous, membres de notre grande et belle famille politique, je réitère les vœux de très bonne santé, de longévité, de solidarité, de fraternité, ainsi que de plus grande énergie spirituelle et intellectuelle, afin que nous puissions travailler mieux que durant l'année passée à rendre notre parti plus fort encore pour le plus grand bien de notre patrie, la République démocratique du Congo. À l'endroit de tous nos partenaires politiques du Fonds commun du Congo, pour le Congo, ainsi que du CAP pour le changement, CAC Antigua, je formule le vœu que nous puissions demeurer fermement unis et fidèles à nos engagements communs durant toute l'année 2020. Notre travail en commun, devant nos deux chefs, dans l'harmonie et dans la confiance mutuelle, constitue la garantie d'une avancée glorieuse vers ces meilleurs services que nous sommes appelés à rendre à notre peuple qui, en toute légitimité, aspire à une vie heureuse. Distingués camarades, je suis persuadé qu'avec le concours et l'engagement sans faille de chacun de nous, notre parti vivra une année de paix profonde, une année de succès et de bonheur. C'est pourquoi j'en appelle à tous nos membres, cadres et militants du parti, à l'unité et à la cohésion autour de notre président national, le camarade Joseph Kabila Kabange. Que le Seigneur, maître des temps et des circonstances, protège toutes nos familles biologiques en même temps et de la même manière que notre famille politique. Encore une fois et enfin, à notre président national Joseph Kabila Kabange et à chacun de vous, je vous souhaite une heureuse année 2020. Que vive le PPD, que vive le président Kabila, que vive la RDC, PPD, viva! Viva! Je vous remercie. Il a fait un état des lieux de l'année 2019, ce que le parti a fait, ce que le parti n'a pas fait, et il a tracé la ligne de ce que nous allons faire pendant l'année 2020. Monsieur le député, aujourd'hui, Vous venez d'adopter ou bien donner une nouvelle loi ou structure au sein de votre plateforme pour essayer de voir les avoirs de tous les mandataires de l'État qui font partie du PPRD.
comment vous allez faire, parce qu'il y a d'autres personnes, il n'y avait pas cette loi-là ou l'applicabilité de cette loi-là. Ça vient de tomber. Comment vous allez faire pour gérer ce genre? Non, ça c'est un projet. C'est un projet ou proposition des lois qui va venir. Qui ne va pas gérer que les cadres du PPRD, qui va gérer l'ensemble de tous ceux qui vont gérer les affaires publiques de l'État. Cette proposition ou ce projet de loi sera déposé à l'Assemblée. On va les discuter, débattre de cette proposition ou de ce projet de loi. Et après son adoption, il sera mis en application pour tous ceux-là qui seront mandatés pour gérer les affaires de l'État, tant au niveau du gouvernement qu'au niveau de nos entreprises ou de la diplomatie. Votre nom complet? Honorable Mouba, Kitoa Damas. Élu de? Élu du territoire de Bukama, dans Léo Lomami. Albert. Vous savez l'autorité et vous passez directement. Albert. Ok, on va la grande vie. C'est impossible. Directement la grande vie. Vous faites une mot, c'est ok, il m'a beaucoup. Ok, grande vie. Conseil national.